et peut-être 9,25 avec la valorisation sur l'ensemble des difficultés qu'il avait proposées. Second à passer, le russe Sergueï Sharipov. Non, Sergueï Kharkov. Kharkov, pardon. Henri, qui est aidé ici par Arkaïev, l'entraîneur de l'équipe russe, Sergueï Kharkov, déçu après sa finale au bar parallèle et qui effectue un Kovacs enchaîné d'un Katchov. Katchov jambes serrées et de nouveau un Katchov jambes serrées enchaîné par un Ginger. À des points, Henri. Il y a de la difficulté au quart de tour de rotation. Et la sortie. Également le triple supérieur arrière. Et il la tient, il la pile bien cette sortie. Il a raison d'être content, Sergueï Kharkov. Pas moins de 5 lâchés dans cet exercice à la barre fixe de la part du russe Sergueï Kharkov. Là, c'est vrai que il est même félicité par la grande star, le Biélorusse Vitali Chervo, qui est venu lui frapper dans la main. On revoit ce premier lâché, le Kovacs. Voilà, immédiatement, à peine 3 quarts de tour. Un Katchov, jambe écartée, 3 quarts de tour. Non, ici il va faire un tour complet. Et là, il va réenchaîner 2 fois le Katchov, jambe serrée. Vous voyez comment il faut contrarier le sens de rotation. Les pointes montent, elles s'arrêtent et après, c'est les épaules qui partent en extension complète. Et l'autre lâché, le Ginger, alors que l'on est devant, on lâche la barre, on fait un demi-tour et on revient la rattraper, cette barre. 5 lâchés dans cette exercice à la barre fixe, c'est la sortie en triple salto arrière, corps regroupé. Vous avez vu la hauteur, l'élévation des gymnastes dans cette sortie en triple arrière. Eh bien, ça commence fort pour Sergueï Kharkov. Essoufflé, c'est bien naturel. Scott Keswick qui avait obtenu 8,90. La note se fait un petit peu attendre pour Sergueï Kharkov. Il n'est pas vraiment satisfait de cette note. 9,450. Il est vrai, Henri, que c'est très dur de la part des juges. Il ne comprend pas. Sergueï Kharkov. Jean-Charles, les juges ont certainement pénalisé le manque de travail en suspension.